Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec au final une séance qui a validé une poursuite du mouvement haussier, puisque malgré une ouverture sur un gap baissier ce matin, on est venu marquer un nouveau plus haut significatif. Alors ça ne s'invente pas, hein. Ce matin je vous ai indiqué qu'on pourrait peut-être déplacer la zone des 5000 de résistance, des 5248 vers 5242. Après un plus haut à 5248.50, donc sur la résistance qui était tracée et qui faisait figure d'objectif, le CAC 40 revient en clôture à 5238.72 et s'adjuge 0,13% de hausse par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous avons une configuration ici qui valide la poursuite du mouvement haussier, qui plus est le corps ici avale totalement le corps de la bougie précédente. Malgré une ouverture sur un gap baissier, on avale ce corps, donc le signal est assez important. Et le fait que l'on vienne ici capter cet objectif qui était lié à une zone horizontale assez ancienne montre que la rupture ici des 5052 points a bien validé le contact avec l'objectif suivant. Donc nous sommes sur une dynamique qui reste haussière et qui est confirmée malgré quelques petits signaux d'affaiblissement. Effectivement, ce que nous pouvons voir ici sur les indicateurs, c'est que par exemple, le MACD reste dans une évolution plutôt baissière, malgré de nouveaux points hauts significatifs sur les cours, on est légèrement baissé sur le MACD et nous verrons que nous avons même une divergence qui est apparue donc sur cet indicateur, notamment au niveau des histogrammes. Du point de vue du RSI, par contre, on valide bien la poursuite du mouvement avec une pression haussière ici qui s'exerce sur l'indice parisien et qui nous montre un indicateur RSI en zone de surachat. Alors, tout à l'heure, je vous indiquais qu'il y avait une divergence. Vous pouvez constater que sur cette phase ici, nous avons ici des plus bas qui descendent, alors que si on prend la parallèle ici sur les cours, on a des plus hauts qui montent. Je parlais des plus hauts, bien sûr, ici, pas des plus bas. Donc, le MACD, les histogrammes du MACD est très sensible à ce genre de configuration. C'est souvent le premier élément qui diverge sur une phase d'affaiblissement, mais un indicateur très sensible donne aussi beaucoup de faux signaux. Donc on regardera, on surveillera l'évolution des autres indicateurs. Éventuellement, si on détecte une divergence baissière sur le RSI, ce qui n'est pas le cas, puisque là au niveau de la succession des points hauts, on reste haussier sur le RSI. Effectivement, on validera peut-être le premier signal que nous avions eu sur les histogrammes du MACD, mais dans l'état actuel des choses, un seul signal ici sur ces histogrammes n'est pas suffisant pour valider un mouvement d'essoufflement. Alors, par contre, les volumes sont inférieurs à la moyenne. Alors, c'est le signe principal, l'évolution des volumes. Sur les trois dernières bougies, ici, on est sur une évolution des volumes qui se fait sur des niveaux nettement inférieurs à la moyenne. Malgré tout, on arrive à venir toucher ici cet objectif à 5248 points. Donc maintenant, nous avons une dynamique ici qui est confirmée. Je rappelle que d'un point de vue long terme, on est ici sur une zone majeure. 5248 ici, c'était une zone qui avait été longtemps support majeur sur une tendance qui s'était neutralisée, notamment sur toute cette partie-là, mais aussi sur une zone antérieure. Donc on avait même ouvert ici sur un fort gap pour venir ici sur cette zone, notamment au mois de mars de l'année dernière. Donc c'est un niveau vraiment majeur. Il serait assez étonnant que les cours valident une rupture haussière de ce niveau sans mouvement de consolidation. Après, c'est tout à fait possible, rien n'est impossible en bourse. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller. On a quand même une configuration qui montre quelques petits signes d'affaiblissement. Alors on l'a vu notamment sur les volumes. On le voit aussi sur le manque de volatilité, puisqu'on est vraiment ici sur des bougies qui n'ont aucune conviction dans leur constitution. Donc le fait que l'on vienne ici toucher, on devrait avoir ici un mouvement de consolidation, mais ce n'est pas obligatoire. Alors si ce mouvement de consolidation se mettait en place, tant que l'on ne casse pas ici la moyenne mobile 20 exponentielle sur le daily, on peut considérer qu'on est toujours dans une dynamique haussière relativement puissante. Même si on revenait ici sur la zone des 5052 points, on va dire entre 5052 et 5102, on a ici cette zone de points hauts, on a eu ici franchissement sur gap, on a d'ici des niveaux qui étaient des résistances assez importantes qui pourraient se transformer en support.
Donc rien ne serait perdu si on venait consolider sur cette zone. Par contre, si on cassait ici la zone des 5052 points, les choses effectivement pourraient changer. Et naturellement, si on casse à la hausse ici les 5248 points, eh bien on validera la poursuite ici du mouvement avec une dynamique donc en moyen terme, eh bien qui serait largement confirmée à la hausse, et donc des objectifs qui reviendraient donc sur des anciennes zones de cotation que nous avions connues après la mise en place ici du mouvement baissier qui avait amené au point bas ici d'entre les fêtes sous les 4570 points. Donc on le voit, on vient ici de casser des zones techniques très importantes, notamment ici suite à l'ouverture de ce gap que nous avions eu en fin d'année dernière, avec cette zone ici des 5175 qui s'était vraiment imposée en tant que résistance sur les premiers rebonds techniques et qui avait abouti ici à une accélération baissière du mouvement. On a tout repris, alors énormément d'inquiétudes liées notamment à des tensions économiques sont en train de disparaître, en tout cas c'est la spéculation que nous avons aujourd'hui. Si tout cela est confirmé, il est tout à fait possible que l'on revienne dans une zone ici d'évolution que nous avions avant justement que toutes ces pressions commerciales ne soient évoquées. Donc il y a une certaine logique quand même si effectivement la hausse surprend bon nombre d'investisseurs car elle se fait quasiment sans aucune consolidation, à part le petit mouvement que nous avions eu ici, mais on le voit, on est resté collé quasiment ici sur cette bande de Bollinger supérieure. Malgré tout, tout est possible. Ce qui serait intéressant par contre, c'est d'avoir ici une rupture donc de cette zone majeure assortie de volume supérieur à la moyenne, ce qui nous donnerait un peu plus de conviction pour la possible poursuite ici du mouvement haussier vers de nouveaux plus hauts significatifs durables. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Du point de vue des statistiques, on a un nombre d'occurrences qui baisse un peu, mais qui laisse quand même la place à une probabilité plutôt haussière, puisque selon la configuration du jour, nous avons une probabilité de 57% d'avoir une poursuite du mouvement haussier à partir du niveau d'ouverture de demain. Cette statistique est d'ailleurs validée par les probabilités à 5 jours, puisqu'il semblerait qu'on reste sur une probabilité haussière pour les jours suivants. Voilà, je vous rappelle que l'intégralité des calculs statistiques vous seront dévoilés avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.